hallucination. Parfaitement bien. Tout ce gros nez qui passe en sous-spirale. Pourquoi ce sous-spirale là? Trop d'erreur de la part de Luffy. La chose ne comprend pas, ça marche encore. Et ça leur empêche de mettre encore dans la spirale. Le blanc n'y passe pas, mais de la pression du Bayama. C'est difficile. Et encore une double touche arrachée sur un sous-spirale. J'ai connu ça d'oquette, le reflex, ça passe dans la gare. Ça se met qui fait croire ça marche dans la gare, mais avec sous-spirale. Ça passe évidemment bien pour moi, mais c'est un tout qui fait entière. Et Ultra l'a relevé, le but qui envoie trop d'Ultra, la force de caisse. Elle sert à rien, malheureusement, la Ultra. Et ça, malheureusement, risque de conditionner vers la fin du route. Rien de perdu, rien de perdu avec le fils. Ok, voilà, avec un ok, ça passe en partage, sans rien. Ok, Bagdash immédiat. Le HK se passe à regarder chaque coup d'être bien joué. Quand tu pars comme le homme, frayeur, il y en a la homme, frayeur. Super balle de match pour Yamazaki, le fils qui n'a plus le droit de rendre, qui les loose en raquette, avec immédiatement leur DVD dans sa ligne de mire. Et un match encore difficile. Qu'est-ce qu'il joue derrière là pour le moment? Il est proche du coin, c'est bien qu'il est encore une étape sortir à HK pour casser le backdash. Je le dis, il est bon, dragon de sous-spirale, sous les sous-spirales, en tous les coins de pressing dans la gare, prend un dragon, c'est hallucinant. Yama qui, alors toi Yama qui est vraiment. On voit très très bien le jeune fils, toi le fils, une grosse sous-spirale en fait, beaucoup trop, elle essaie de varier avec beaucoup de sous-spirales, sous-spirales, t'es parti, t'es là-dessous, t'es ma cœur en mode je fuis, je me barre, l'intérêt d'affaire, ah j'ai visité les deux coins, le Tachouma qui consomme, qui casse la sous-shop, ça fait mal, allez, médium qui, le saut vertical cassé par vague de points, le fils qui revient, c'est le médium qui glisse à bas médium, ça touche pas counter, ça fait pas combo, lâche avant, shop. C'est très très bien joué de la part de Luffy avec ici, on essaie de provoquer le pli, voyons, on backdash, et on fout le shop. Mais il est où Luffy, c'est pas possible, il a disparu des écrans, avec cette shop trouvée par Yama, ça perd quand même pas mal d'énergie, le reflect trouvé par Rose, avec ici, un jeu de Hadoken qui peut s'installer, puisque finalement les reflects ne cherchent plus la barre de super de Rose, qui est intégralement chargée, à partir de là, c'est le médium qui glissade, attention le Luffy, qui est bien parti pour remporter ce round pour le moment, Yamazaki doit trouver l'ouverture, on dragon peut-être ici, ça, médium qui cherche le monde. À l'infini sur l'ultra, mais malheureusement c'est le cas avec ici la shop qui passe sur la chambre. Attention, le fils qui lâche rien, mais d'un kick ça passe dans la garde à Doken sur la saving. Les deux super qui sont chargés avec la super qui très très bien servi à Yama lors du premier set. S'il réitère, mais je super qui est impossible, voyez. Ici tu ne peux plus faire à Doken, tu sautes super, ça marche plus là-dessus. Par contre, sur ces petits reflecteurs là, je vous demande s'il n'y a pas quelque chose à jouer. Ah non, la coup n'a pas disparu donc tu peux toujours pas l'envoyer. La solidarité n'est pas mise en tour, cassé des cassettes, il peut être 5 lunettes dans la chambre en tier. Le dragon entière, le Doken pour presser chaque lunette dans cette piscine. Finale des mineurs sur un match somptueux, absolument somptueux.